Salut la mienne, ma famille. Arrête de faire ta petite voix de princesse. Donc là. Bon, là, on en a pour 25, 24 euros de mandarines. Elles sont super sucrées, très bonnes. Bon, je continue. Je viens d'enregistrer les mandarines. Donc, là, c'est des gambas. Donc, c'est des crevettes crues. Là, on en a pour 1,5 kg. Donc, voilà. Ici, j'en avais pour le kilo, c'était à 14 euros. Donc, là, on est à 21 euros. Et les mandarines tout à l'heure que je vous ai montré, je vous ai dit 24 euros. Donc voilà, je vais dire les prix dessus dont je me souviens. Oh là là. Bon, là on a le poisson, c'est de la dorade, vous voyez. Alors je vous dis pour le poisson, comme je vous le dis souvent en fait, hein, le poisson, plus il est de petite taille, mieux c'est. Je pouvais aussi prendre de très grosses dorades. Je crois que je vous ai déjà expliqué sur la chaîne les raisons pour lesquelles. Moi, il y a 8 ans de cela, je préférais les gros poissons. Et c'est quand j'ai commencé à avoir mes enfants que j'ai compris pourquoi il faut préférer des poissons de petite taille, ok. C'est pendant ma grossesse et tout qu'on a commencé à m'expliquer par rapport à la toxicité. Vous savez, des gros poissons type le, je sais pas, plus les poissons sont gros, plus ils auront mangé plusieurs poissons de petite taille et plusieurs fonds marins. Donc il y a de la toxicité en métaux type, elle nous avait parlé de quoi par exemple? En fait, le mercure, par exemple, voilà, le mercure, par exemple, voilà. Donc c'est pourquoi on va vous dire des poissons comme le thon. Par exemple, le thon ou le saumon, par exemple, qui sont de très gros poissons, essayez de n'en manger qu'aller une ou deux fois par mois maximum, ok? Surtout si vous êtes une femme enceinte, un enfant en bas âge ou une personne âgée, donc déjà exposée à d'autres problèmes. Il y a des taux le taux de saturation en métaux, les métaux lourds et tout, dans les gros poissons, c'est beaucoup trop. Parce que ben, plus le poisson est gros, plus il a accumulé plein de petits poissons. Qu'il a dévoré lui-même, plus les fonds marins et tout ça. Il y a aussi de la pollution marine aujourd'hui. Donc, les poissons, quand ils sont de plus petite taille comme ça, ou bien encore plus petits que ça, c'est beaucoup mieux pour votre santé. Voilà. Ici, en termes de dorade, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Il y avait une promo, la dorade était à 12 euros le kilo. Je me rappelle pas combien de kilos j'ai pris. J'ai pris 6 kg et 7. Ouais. Parce qu'on était à 76 euros, un truc comme ça. 76 euros, 78 euros en termes de dorade. Donc, je vous montre ça tout de suite. Vous savez quoi? Je vais mettre en sachet comme ça, vous allez voir. S'il te plaît, passe-moi les sachets de congélation, mon chéri. C'est là, en bas. En bas, comme ça, en enregistrant, ça va pas mettre trop de temps. Bon. Un paquet. Un, deux, trois, quatre.
4. Donc, j'ai fait des paquets de 4 comme ça. J'ai fait des paquets de 4, c'est des gros, c'est des moyennes et des petites dorades. Donc, un paquet de 4, un deuxième paquet de 4, un troisième paquet de 4, et il y en a un ici qui a 3 dorades. Voilà. Donc, ça fait 4, 4, 4, ça fait 12, plus 3, ça fait 15. Donc, ici, on en a pour 6 kg environ. Si vous comptez la promo à 12 € le kilo, j'ai pris un peu plus de 6 kilos. 6 fois 12, ça fait 6 fois 2, 12, 6 fois 1, ça fait 72 €, c'est ça, non? 72 €. Mais on est à sensiblement 75 € parce que j'ai pris 6 kg et quelques. Je me rappelle pas exactement combien et j'ai pas envie de fouiller les reçus avec les mains sales comme ça. Donc là, vous en avez pour environ 75-74 € de dorade uniquement. Là, je vais vous présenter un autre poisson, enfin deux autres poissons que j'ai pris aussi. Et voilà. Bon. J'ai placé la dorade au congélateur. Ici, on a un autre poisson. Oh, c'est des pièces comme ça. En fait, j'ai demandé qu'on le découpe là-bas directement. Ils l'ont nettoyé, ils l'ont découpé, voilà. C'est du capitaine. Alors, je crois que j'avais quelque chose comme 8 pièces, je crois. Hein. Je crois. Et ici, pareil, ça c'est 74 €. Parce que c'était 11,60 € le kilogramme. Et que j'ai pareil ici, c'est 6 kg. En tout cas, là, il faisait à 11,60 € ou 11,80 € le kilo, un truc comme ça. Donc, résultat, j'ai ça. Voilà. Donc, ça, c'est le capitaine. J'ai bien sûr demandé qu'on ne me découpe et qu'on ne me donne que la partie, la partie du milieu des deux poissons. Il y a sûrement des personnes qui vont acheter la tête, la queue et tout. Donc là, on est à 72 € aussi. Et ici, ça, c'est pas un poisson que j'aime. D'ailleurs, je ne vous le présente jamais sur la chaîne. Vous ne l'avez jamais vu sur ma chaîne parce que je n'en mange pas, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous pensez du poisson tilapia. Personnellement, j'aime pas. J'aime pas pour... la façon dont il est élevé, pour beaucoup de choses, j'aime pas le tilapia. Et je sais pas trop, voilà, peut-être que vous en mangez chez vous, comment est-ce que vous le faites. Je sais bien comment on fait le tilapia, hein. Mais est-ce que vous aimez le tilapia? Est-ce que vous prenez plaisir à le manger? Pour le coup, il était pas cher, il était à 6 € le kilo, franchement, c'était rien du tout. C'était pas une promotion, hein, c'était un prix normal en fait. 6 € le kilo, c'est pas un poisson qui coûte cher, donc voilà. Mais... j'aime pas. Alors, je l'ai pris pourquoi? Parce que j'ai une amie qui doit venir chez moi avec son mari et ses enfants. Et elle adore le tilapia. Elle adore le tilapia. Donc, je vais le lui faire. Je vais bien l'assaisonner et tout. Et puis, je vais braiser. Voilà, je vais braiser. Je sais pas si... je crois que je vais faire plutôt braisage, enfin, la braise au four en modalité grill. Voilà, en faisant plein de... c'est ce que je vais faire et tout. Ce sera très bon. Je le fais pour elle, du coup, parce que j'aime bien que les gens soient, voilà, qu'ils soient à l'aise et tout. Mais personnellement, j'aime pas le tilapia. Je n'aime pas. Je crois que c'est le tilapia, non? Oui, c'est le tilapia. Oui, c'est lui, parce qu'en tout cas, elle m'avait bien indiqué. Allez, on continue avec les autres choses. Ça, j'emballe maintenant, je congèle. Bon. À présent, on va passer à autre chose. Alors ici, j'ai pris, c'est du bœuf, 1,5 kg de bœuf. Bon, j'avais pas besoin d'une partie spéciale, hein. C'est du jarret, je vais faire un repas avec. C'est 1,5 kg, ça va me servir pour un repas particulier, justement parce que je reçois des gens. Je vais faire le héros, voilà, je vais faire le héros. Et au simple, avec beaucoup de légumes verts, et on met ça, on met des tripes de bœuf, on met de la peau de bœuf, on met des écrevisses fumées, on met du poisson fumé, on met plein de choses, voilà.
et c'est très très bon. Donc ça, je vais ça me servir pour ça. Donc ça c'était pas cher, hein. Je me rappelle plus trop, je crois que c'était 10 euros le kilo de jarret. J'ai pris 1,5 kg. Et puis ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a ce dont je vous parle souvent sur la chaîne en vous disant que si vous êtes des personnes anémiées avec des problèmes, voilà, si vous n'avez pas assez de fer, il y a des aliments que moi je vous conseille de manger. Donc vous avez bien compris, ça c'est parce, ça paraît parce que je reçois des personnes à la maison, donc c'est pour ça le héros. Ça par contre c'est pour nous, c'est, ce sera le repas pour nous, quoi. Ça fera partie des repas du mois. Et ici, je vous ai déjà présenté ce que c'est. C'est du foie de bœuf. Donc je vous ai déjà présenté ce que c'est. C'est du foie de bœuf, vous le savez déjà. Donc là j'ai pris un peu plus de 3 kg. Je crois que j'ai pris quelque chose comme 3,8 kg, un truc comme ça. Donc voilà, c'est du foie de bœuf. Et je vous le dis tout le temps sur la chaîne, c'est très bon pour la santé. Et je vous dis, si vous êtes une personne qui ne fabrique pas assez de fer, qui est anémiée, le foie de bœuf, mais surtout, encore plus, le foie de porc est recommandé dans votre cas. Et généralement, les bonnes parties de viande rouge, le foie, ça fait partie des abats, n'est-ce pas? Mais il y a des parties, par exemple, un bon filet de bœuf bien rouge, du porc et tout ça. De temps en temps, ça vous fait du bien. Alors, moi, je ne mange pas trop de viande pour des questions écologiques, des questions de santé et tout. Mais il y a des, voilà, des jours où je m'autorise à manger de la viande rouge parce que ça m'aide à combler le déficit en fer. J'ai aussi une astuce naturelle, très naturelle. C'est une plante naturelle que vous pouvez faire chez vous qui va vous aider à produire beaucoup de fer et vaincre l'anémie. Ça a été mon cas récemment. C'est prouvé par des examens que j'ai fait. On a fait un suivi sur plusieurs mois et on s'est rendu compte que mon fer augmentait avec cette plante-là. Et c'est une plante qui est connue. Moi, jusqu'ici, bon, je l'utilisais, mais pas de façon régulière. Et elle m'a beaucoup aidé. Donc, je pourrais vous en parler si jamais vous voulez. Dans une semaine, je peux faire une vidéo dessus. Donc, voilà. Ça, c'est le foie de bœuf. Donc, ça, pareil, c'était pas cher. Je sais que là, on est quelque chose comme 21 euros ou 23 euros. Parce que je crois que c'était 3 ou 4 euros le kilo. Donc, ça va. Bon. Je vais un peu nettoyer avant de continuer. Parce que là, je ne supporte plus. Bon. La seule chose que je déplore franchement dans certains commerces, c'est l'utilisation de trop de plastique. Après moi je sais comment je fais pour voilà, ne pas gaspiller le plastique. Je l'ai réutilisé plusieurs fois, mais bon, c'est la seule chose que je déplore. Bon, là c'est des pilons de poulet. Et ici, on en a pour 3 kg, je crois. On était à 10,86 €. Je me souviens que c'était 10,86 € parce que ils avaient écrit, si vous prenez 3 kg, on vous laisse à 10,50 €. Et lui m'a dit, non, vous, c'est 10,86 € parce qu'il y a quelques grammes en plus. J'ai dit, bon, franchement, donc voilà. Donc ça, c'est 3 kg de poulet. Voilà. Rien du tout. Voilà, c'est du poulet. C'est 10,86 €. J'ai formé 2 paquets avec le poulet. Comme ça. Ici. Bon, ce boucher, franchement, je vais souvent chez lui, mais aujourd'hui, c'était assez particulier. C'est une très grande boucherie. Mais c'est particulier aujourd'hui. J'avoue, je n'étais pas très contente de mes achats aujourd'hui. Je sais pas, peut-être qu'il y a des fois comme ça où j'ai été pas de bonne humeur, ses emplois étaient pas de bonne humeur, tout le monde était bizarre. C'était assez particulier aujourd'hui comme achat. Bon, là, c'est des... Comment vous l'appelez? C'est des... Est-ce qu'on dit travers ou côtelette? Cette partie-ci. En tout cas, c'est du porc. Voilà. Hop. C'est du porc. Tout simplement. Donc voilà, 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 voilà. Et ça, il faisait à 9,99 €, je crois, le kilo. Et ici, j'en ai... Je me souviens plus. Je sais pas. On était à 20... Je ne sais pas, 22, 24 €, un truc comme ça. Mais c'était pas cher. Donc là, on est autour de 23, 24 €. Je me souviens plus trop. Je sais quand même que là, à la...
À la boucherie, j'ai dépensé 100 € à la boucherie. Ça, c'est ce que je sais au total. Donc là, on est sur une 20aine d'euros. C'était 9,99 € le kilo. Bon. Je crois que là, ce que je vais vous présenter, c'est des tripes de bœuf. Voilà. Que je vais d'ailleurs scinder maintenant parce que. Et on va prendre la moitié pour faire du taro à la sauce jaune et le héros. Et l'autre moitié va servir pour faire des tripes sautées. Voilà. Donc c'est 3 kg. C'est des tripes de bœuf déjà nettoyées. Regardez. Moi, je ne sais pas nettoyer les tripes de bœuf comme on le fait traditionnellement. Et donc, je ne m'encombre pas vu qu'ils peuvent vous en vendre déjà nettoyé. Donc, je prends ce qui est déjà nettoyé. En fait, je choisis mes batailles, hein, même dans la cuisine, parce que je me dis, ok, j'ai pas la peine, j'ai pas besoin d'être puriste. Voilà, pour certaines choses, je me dis, si aujourd'hui j'ai la facilité, voilà, cette facilité-là est possible d'avoir des tripes déjà nettoyées, pourquoi souffrir à nettoyer toute seule, me compliquer la vie, alors que voilà, j'achète déjà nettoyé et puis tranquille. Hein, bon. Je vais séparer comme ça et puis emballer. Bon, ça va me servir pour faire des tripes sautées. Je vais faire des tripes sautées pour un repas de 2 jours, une famille de 5 personnes. Et ça va aller dans. Ça ira dans le héros. Ça ira dans le taro sauce jaune. Voilà. Puisque à côté, il y a aussi de la peau de bœuf, il y a de la viande, il y a du poisson fumé. Donc ça va, je n'ai pas besoin de beaucoup de tripes pour ces deux repas-là. Par contre, pour les tripes sautées pour 2 jours, surtout qu'en cuisant, les tripes rapetissent. Voilà. Donc ici, pour les tripes, ils vendent les tripes à 5 € le kilo. Et j'ai pris un peu plus de 3 kilos, donc on tourne autour de 17 € par là pour les tripes. Bon, j'emballe et je vous présente, j'ai pris des côtilles de porc fumé. Dernier paquet de la boucherie, c'est environ 5 kg de côtilles de porc. Voilà, c'est environ 5 kg de côtilles de porc. Je ne sais pas si vous connaissez les côtilles de porc. Non, je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, je n'en fais pas souvent chez moi. Comme là dans le mois, on va faire plein de plats à base de légumes sautés. Je vais faire des épinards sautés. Je vais faire une jardinière de légumes et tout. Et les côtilles de porc. Et les côtilles de porc sont souvent très intéressantes pour faire tout ce qui est légumes sautés. Donc voilà. Les côtilles de porc fumées. Donc voilà, je vais faire quelques paquets. Cela, on est sur 5 kg. Donc, je vais faire 4 ou 5 paquets. Donc, vous comprenez bien que c'est pas pour un mois. Donc, là, ça va peut-être tenir tout ce que j'achète là, surtout au niveau de la viande. Parce que le poisson, ça va aller très vite. Nous, on mange beaucoup, beaucoup de poissons frais ici à la maison. Donc, c'est même pas suffisant. Je vais rajouter encore du poisson et j'en ai encore au frigo. Mais ça, par exemple, là, la viande et tout, vu qu'on n'en mange pas tout. Bon. Ici, j'ai pris un peu de poisson fumé. Bon, un peu, c'est trop dire. C'est quand même cher parce que là, il m'a laissé ça à 65 €. Mais le prix, c'était pas 65 €. Hein. Ici, attendez. J'essaie de vous les présenter séparément. Vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure le capitaine frais, n'est-ce pas? Ça, c'est du capitaine fumé. Non, c'est du capitaine fumé. Et bon, en fait, c'est vrai que finalement, c'est les mêmes ordres de prix parce que au départ, c'était 72 € et tout. Comme le monsieur me connaît bien et que j'achète beaucoup de choses là-bas, il a dit, bon, allez, 65 €. Parce que franchement, je suis le genre de cliente. Je viens une fois par mois, je fais les grosses courses et tout. Donc, il me connaît. Donc, il m'a laissé ça. Donc là, on est à 65 € de capitaine fumé. 65 €. Mais le prix, normalement, c'est 72 €. Hein. Donc voilà.
À côté de ça, vous avez... Ça, c'est le brochet. OK? C'est du brochet fumé. Et ici, c'est une trentaine d'euros. Je ne me souviens plus quoi. Le brochet, hein, parce que ça, je vous ai dit, c'est 65 euros. Le prix, normalement, c'est 72 euros. Et là, le brochet, c'était une... Je sais pas, je ne me souviens plus si c'était une trentaine d'euros. Je crois bien un peu plus de 30 euros. Je ne me souviens pas exactement combien. Donc, j'ai pris 4, 5, 6 brochets. Voilà. J'ai pris 6 brochets parce que j'en ai encore au congélateur de la dernière fois. Et là, il m'a laissé ça dans les ordres. C'était une trentaine d'euros. Je ne sais pas si c'est 38 euros. Je ne me rappelle pas. Donc, voilà. En termes de poisson fumé, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas pris autre chose. Aïe! Aïe! Oh, cielo! Oh, santo cielo! Guarda! Mamma mia! Ça, c'est du manioc. Bon, l'autre avantage de manger toutes ces choses, c'est que j'ai un enfant qui est complètement, mais c'est au-delà d'une allergie chez lui, c'est vraiment terrible. Tout ce qui est gluten et tout, gluten, lactose, machin, c'est un souci. C'est vraiment un gros souci. Et donc, ça permet que nous mangions, vous voyez, ça c'est du manioc qu'on utilise pour faire aussi de la semoule de tapioca et tout. Ça a beaucoup d'amidon. Ça, ça n'a pas de gluten. Donc, c'est naturellement sans gluten. Donc, j'ai pris du manioc. J'ai pris beaucoup de manioc. On va éplucher, découper et congeler. J'ai aussi pris des ignames, des tubercules d'ignames. Le manioc, je vous dis à combien on est. Au niveau du manioc, on est autour de 17 euros. On est dans les 17-18 euros pour le manioc. Voilà, parce que c'est 4 euros, je crois 4 euros le kilo. Et j'ai pris quelque chose comme, j'étais à sensiblement 4 kg et poussière. Donc ici, on est dans les, je sais pas, 17-18 euros, un truc comme ça. Et puis, je vous montre l'igname. En termes d'igname, voilà. J'ai aussi pris l'igname. J'ai pris 3 grosses tubercules d'igname. Voilà. OK. L'igname, pas besoin de le congeler. On va juste prendre des tubercules comme ça qu'on va déposer à même le sol. Ça peut rester là un mois, ça n'a pas de souci. Le manioc, par contre, ça peut pas rester longtemps. Ou vous gardez au frigo une semaine, ou alors vous nettoyez le manioc quand vous l'épluchez, vous le découpez cru et vous le congelez. Quand vous allez le sortir, vous le mettez directement dans la casserole déjà bouillante ou directement au cuiseur à vapeur. Ok, je vais essayer de tenter la même expérience avec le plantain. Pour le manioc, ça marche, je le fais depuis toute ma vie. Le plantain, je ne sais pas s'il peut se congeler. Je vais voir si je peux faire ça. Bon, je vous montre aussi le plantain que j'ai acheté. Ah, aïe! Ah. Ah. En termes de plantain, voilà tout ce que j'ai pris. Clairement, moi, je ne vais pas manger du plantain parce que ça, c'est déjà mieux. J'ai du mal avec du plantain mûr, sauf s'il est vraiment encore solide. Il y en a qui sont encore solides, un peu verts, je vais pouvoir les manger. Mais c'est mon mari et mes enfants qui adorent littéralement cette affaire de plantain. Donc, c'est pour eux. Donc, voilà tout ce qu'on a en termes de plantain. Voilà. Oh! Ça tombe de partout. Donc, voilà. Oh! Oh! Donc, voilà en termes de plantain tout ce que j'ai. Et voilà. Et voilà. Donc, peut-être que ce qu'on va faire, on va faire du plantain pilé aux haricots rouges. On va aussi faire du ntouba. Je ne sais pas si vous connaissez le ntouba. C'est du plantain pilé. On fait des boules avec. Et puis, ça accompagne la sauce de cacahuète, donc la sauce d'arachide. Et on aura aussi des frites de plantain, là, qu'on va servir avec des crevettes sautées. Voilà, donc je crois que ça, c'est pour 3-4 repas. Bon, si on fait le pilé de plantain, ce sera moins de 3 repas quand même. Voilà. Et voilà. Bon, là, dans la même lancée des produits sans gluten, le plantain, je vous ai présenté le plantain. Ben, c'est une tubercule, c'est un accompagnement comme la pomme de terre et tout. Pour ceux qui ne sont pas africains, afro-caribéens ou et tout, ou hispaniques, le plantain se mange bien. Voilà, il est sans gluten, sans lactose. Voilà, comme tout ce que je vous ai présenté avant. Et ça, pareil pour le tapioca, ce qu'on appelle le gari. Ça, c'est du gari blanc. Il y a aussi du gari jaune. Je vous ai déjà expliqué la différence sur la chaîne. C'est la même chose, juste que dans le gari jaune, on rajoute un peu d'huile rouge. Voilà.
Donc, moi, j'ai pris du gari blanc. C'est ce que je prends généralement. J'ai pris ça. Ils vendent le paquet à 3,90€ pour 1 kg. Donc, j'ai pris 3. Comme ça. Voilà. J'ai aussi pris du couscous. Comment vous appelez ça? Les Ivoiriens l'appellent le plakali. Attendez, je vous le montre. Bon, on va mettre le gari ici. Les Ivoiriens appellent ce truc le plakali. Nous, on l'appelle au Cameroun le water fufu. Donc, c'est du fufu de manioc. Voilà. C'est du fufu de manioc, tout simplement. Hein. Voilà, à base de manioc. Et ça, pareil, c'est bien pour nous, donc pour mon fils, parce que du coup, je peux faire à manger pour tout le monde sans me dire à côté. Parce que quand je fais des pâtes, par exemple, pour nous, si je fais des pâtes classiques, il faut que pour lui, je fasse à côté des pâtes sans gluten ou des pâtes à base de farine de lentilles, à base de farine de maïs, de riz. Voilà, il y a plusieurs typologies de pâtes sans gluten. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Mais ça reste quand même des produits hyper transformés, vous voyez. Et donc, moi, je vais avoir tendance à me dire, OK, vu que mon côté complètement africain me permet d'avoir accès à des aliments sans gluten, sans lactose, pourquoi trop me casser la tête? Ce qui fait que dans la composition des repas, voilà, je vais m'arranger à avoir beaucoup de repas basés vraiment sur l'alimentation africaine qui est plus adaptée aux personnes ayant des allergies et intolérances alimentaires variées. Et chez mon enfant, vraiment, c'est très poussé, quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut être même létal, dans ce sens que consommer certains aliments qui contiennent des choses qu'il ne doit pas consommer, ça peut, voilà, ça peut aller très loin. Et donc voilà, donc j'ai aussi pris ça. Donc je vous disais que le gari, c'est 3,90€ le kilo. Hein. Donc là, vous comptez, j'ai 4 kg au total. Donc on est allé autour de 16€. Ici, je crois qu'il faisait la boule à 3€. Donc, et il m'a dit que finalement, il me laissait tout ça à 10€ au lieu de 12€, vu que j'achète quand même beaucoup de choses chaque fois. Et donc, voilà, ça m'a coûté 10€ au lieu de 12€ environ. Donc, je vous présente aussi un autre aliment sans gluten, vous allez voir. Voilà, si vous fréquentez des personnes originaires du Cameroun, vous connaissez ce produit. Et ça, pareil, c'est à base de manioc. Donc, on est toujours dans du sans gluten, sans lactose. Et c'est un féculent, tranquillement. J'en ai pris 25, vous voyez. Parce que dans chaque paquet, il y en a, je crois, 5. Donc, j'ai pris 5 paquets, c'est 25. Bon, je vais ouvrir un paquet pour ceux qui ne connaissent pas ça. On appelle ça les bobolos. C'est emballé dans des feuilles de bananier. Normalement, au Cameroun, c'est pas des choses maigres comme ça. Les bobolos au Cameroun, souvent, ça, vous voyez, ça a cette grosseur-là, souvent, au Cameroun. C'est gros comme ça. Ici, des fois, on en trouve de gros comme ça, mais pas souvent. Je crois que c'est pour des logiques de rentabilité. Ils préfèrent faire plus petit comme ça et vendre tout aussi cher que si c'était gros. Donc, voilà, dans chaque paquet, vous en avez 5. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et elle vous vend le paquet à 5€. Donc là, j'ai 5 paquets au total, ça m'a coûté 25€ et il y a exactement 25 bâtons de manioc au total. Et mes enfants et mon mari adorent ce truc, surtout que traditionnellement, ça c'est originaire de la partie de leur papa, géographiquement. Donc c'est un produit qu'ils aiment beaucoup et c'est cuit à la vapeur dans des feuilles de bananier, c'est du manioc, hein, c'est de la pâte de manioc qu'on a emballée. Et alors, bon, dans la continuité des produits sans gluten, dans tout ce qui est féculent, hein, on a ça, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez le macabo, il y a le cousin du macabo. Excusez-moi, c'est papa Miam Miam qui est à côté, c'est monsieur Miam Miam qui est à côté. Et on fait toujours tout ce qu'on fait ensemble. Salut la Miam Miam, ma famille. Arrête de faire ta petite voix de princesse. Donc là, c'est du taro. Le taro, c'est le cousin du macabo. On le mange en Asie, dans les Caraïbes, en Afrique et tout. Donc il y a plein de peuples en Asie qui mangent aussi le taro. Et c'est le cousin du macabo, voilà, c'est aussi un féculent. Donc je vous disais que à la suite de ce que je racontais sur tout ce qui est produit sans gluten, sans lactose et tout, ça c'est aussi un gros avantage pour nous, voilà. Bon, ça va aussi nous servir pour faire le taro à la sauce jaune, voilà. Traditionnellement, lui on l'appelle le taro. Nous, moi je suis anglophone, on l'appelle ibokoko ou kokoyam, mais je sais pas trop. Voilà, s'il y a un autre nom scientifique et tout. Donc, mais c'est cher quand même, hein, parce que ça, là, vous voyez, ça coûte au total 23,70€. Vous voyez. Et ça me fait qu'un seul repas d'une journée.
bon, on est 5 personnes quand même, mais un repas d'une journée pour juste le féculent là, comme ça, accompagnement à 23,70 €, c'est cher. Regardez, c'est tout un petit paquet comme ça. Et quand vous pilez ça pour faire le tarot à la sauce jaune, voilà, ça suffit à peine pour midi et un peu pour le soir. C'est assez cher quand même, je trouve. C'est l'ingrédient le plus cher quand je fais le tarot à la sauce jaune, parce que même la viande me coûte pas aussi cher, donc voilà. Non, mais c'est bizarre, parce que je suis sûre que j'avais pris 4 paquets. Je sais pas, c'est dans ma tête peut-être. Bon, alors, je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Apparemment, il y a une pénurie de ce légume vert. Ça s'appelle, le nom scientifique, c'est le Nietum africanum. Les Nigérians l'appellent Okasi, les Congolais, je crois, l'appellent Fumboa, et les Camerounais, c'est-à-dire nous, on l'appelle Héro, si vous êtes de mon côté à moi, anglophone, et si vous êtes du côté de mon mari, on appelle ça comment chez vous? Le coq. Mais pas fou, t'entends pas? On l'appelle le coq. Arrête! C'est le coq. Donc voilà, chez eux, ils appellent ça le coq. Chez moi, on l'appelle le héros. Les Nigériens l'appellent Okasi. Voilà. Donc ça, c'est le Nietum africanum, c'est son nom scientifique. Bon, apparemment, il y a une sorte de pénurie ici parce que je n'en trouve pas. Il n'y avait que 2 commerçants qui l'avaient. Et du coup, la loi du marché, hein. Voilà, s'il n'y a pas... La demande est... Les économistes de cette maison... Quand la demande est élevée et l'offre baisse, voilà, donc les prix grimpent. Donc elle me faisait ce petit paquet-là à 5 €. Regardez, c'est du n'importe quoi. Hein. Regardez ça, c'est 5 €, ce petit truc-là, 5 €. Donc j'ai pris 3 paquets comme ça, donc ça me fait 15 €. Pour faire une marmite de héros chez moi, tout ça c'est une marmite de héros en fait, imaginez. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour me débrouiller, je vais prendre 2 pour faire une petite marmite de héros et 1 pour faire une toute petite marmite de okok. Pour que mon mari et ses enfants dévorent, ils adorent. Donc voilà. Donc ça, ça fait 15 € au total, ok? Ça, c'est un excellent produit. Vous le connaissez, il est plus à présenter, c'est le gambo. Il se mange chez presque tous les peuples du monde. J'ai même une collègue turque, elle m'a dit qu'en Turquie aussi, ils mangent ça. Apparemment aussi en Afghanistan, en Iran, en ceci, en cela. Ça, je ne savais pas qu'au Moyen-Orient, ils le mangeaient. Donc voilà, donc c'est le gambo. J'en ai pris, voilà, pour 3,5 kg. Il faisait à 5 € le kilo. Souvent, c'est à 7 ou 8 € le kilo. Donc, c'était pas mal qu'il laisse à 5 € le kilo. Donc, on est à 3 kg et poussière. Donc, là, on était bah, presque 16 € de gambo. Bon, nous, là, c'est pour un mois, hein, parce qu'on va faire la sauce gambo. On va faire la sauce de noix de palme en mettant un peu de gambo dedans. On va faire la sauce pistache en mettant un peu de gambo dedans. Donc, voilà, nous, on aime bien, voilà. C'est bien pour le développement cérébral chez les bébés, chez les enfants. C'est bien aussi pour nettoyer le corps, l'organisme. Ça détoxifie. C'est bien pour les femmes qui viennent d'accoucher parce que ça permet d'avoir beaucoup de lait et de nettoyer hein, le ventre. C'est bien aussi pour la stérilité. Et non, pas pour... Pas, enfin, pour les hommes, là, pour les trucs d'érection, virilité, machin et tout. Ça aussi, c'est bon. En tout cas, regardez. Et c'est aussi bien pour les cheveux, pour faire des soins de peau. Ou des soins de cheveux. Je vous ai d'ailleurs déjà présenté sur la chaîne comment faire un masque capillaire au gambo. Je vous avais montré ça il y a quelques jours déjà. Donc voilà, c'est du gambo. Ah, et on a terminé. Ça, c'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes déjà pelées. Elles sont crues, hein. Et ça, c'est bon pour faire le ndolé. Je vais faire du ndolé aux crevettes quelque part dans le mois. Voilà, ça, le prix affiché, c'est 3,80 €. C'est 1 kg. Voilà, ça, le prix est affiché, c'est 4,99 €, mais il me l'a laissé à 4 €. C'est le jus de noix de palme. Bon, traditionnellement, il faut acheter vous-même les noix de palme comme ça. Et puis, les cuire à la vapeur, les piler, extraire le jus. Comme je vous disais pour les tripes, tout ce qui me permet de me faciliter la vie aujourd'hui, je prends. Déjà, je ne vais pas trouver de noix de palme ici, hein, on ne va pas se mentir. Et pourquoi est-ce que je peux me casser la tête alors que ça, ça va, c'est naturel, il n'y a pas de produit ajouté. Ils ont juste pressé le jus et puis ils l'ont mis en bouteille, c'est tout. Donc voilà, je prends déjà, bon, j'ai même pas de noix de palme réellement ici. Donc c'est tout ce que je peux faire, c'est acheter ça si je veux manger une sauce à base de noix de palme. Bon, c'est 4,99 €, je crois qu'il m'a laissé ça à 4 €. Je n'ai pris que 2 parce que, bon, je n'aurais besoin que de 2. Un pour faire la sauce de noix de palme et un pour faire... Le coq, qui est le repas traditionnel chez mon mari avec les... Ensuite, j'ai pris de l'huile rouge. Donc, il y a de l'huile rouge de Guinée.
de l'huile rouge du Cameroun, de l'huile rouge de Côte d'Ivoire, j'ai tout pris. Même si, sincèrement, je trouve que la meilleure huile, c'est celle, bien sûr, du Cameroun, ensuite celle de la Guinée, celle de Côte d'Ivoire, je sais pas. Bon, là, on a terminé. Donc, au total, les courses nous ont coûté 571 €. OK? J'espère que ce retour de course vous a plu. Il est plutôt, voilà, il n'est pas si long que ça pour tout ce qu'on a acheté. Mais bon, 571 €, vous comprenez bien qu'il y a des choses qui vont rester pendant très longtemps, type ça. Quand j'ai l'occasion de trouver de l'huile, parce que je n'en trouve pas tout le temps, voilà, j'en achète assez pour stocker, voilà, et tout. Donc, globalement, c'est ça. On est une famille de 5 personnes, donc 2 adultes, 3 enfants. Donc, 571 € pour ces courses-ci, et considérer qu'après, pour les autres types de courses, type pour les fruits, les légumes frais, l'eau minérale et tout, sur le mois, on sera au total encore dans les 200-250 €. Donc ça, plus 571 €, ça fait plus ou moins 800 €. Donc on peut dire que nous, plus ou moins, chaque mois, on est autour de 800 € en termes de courses à la maison. Parce que, bien sûr, je n'ajoute pas ici, et le sopalin, et le papier hygiénique, et le liquide vaisselle, et machin et tout. Ça, c'est dans les 200 et poussières qu'on va encore dépenser, et ce sera pour un mois entier. Donc, 250 € plus 571 €. Donc, oui, on est sensiblement à 800 € de courses chaque mois, même s'il y a des mois où je parviens à faire, allez, 700 € de courses. Allez, dites-moi combien vous dépensez chez vous, comment est-ce que vous mangez, est-ce que vous faites des courses au mois ou à la semaine, ou est-ce que comme moi vous en faites certaines pour le mois et certaines choses classiques que j'achète semaine après semaine, c'est les légumes frais, les fruits frais et tout et tout. Donc laissez-moi tout ça en commentaire et merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne, vos partages, vos abonnements et comment vous soutenez, voilà, ma passion et celle de ma petite famille. À bientôt. Miam, miam.